Le retour de l'île d'Elbe de Napoléon Bonaparte le 1er mars 1815 et la campagne des 100 jours qui unit les alliés contre Napoléon conduisent à la reprise des hostilités. Effectivement, les Anglais, la Prusse, la Russie et l'Autriche, soutenus par l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, conduisent à la campagne de Belgique en 1815, faisant un petit bond de 197 ans en arrière. TV Wallonie y était pour vous. Bien, chers amis, la campagne de Belgique, la célèbre bataille de Waterloo de 1815, vient de se terminer. Nous trouvons à l'instant devant le musée Wellington, qui se trouve juste derrière moi, et nous attendons l'arrivée triomphante du duc de Wellington et de tous ses officiers qui vont venir célébrer ici même cette victoire. Eh bien, j'ai le plaisir d'être maintenant en présence du duc de Wellington, le grand vainqueur de cette bataille de 1815. So, Your Grace, please, would be kind enough to tell me from where comes this passion, d'où vient cette passion pour 1815? Il y a beaucoup d'années, depuis que j'étais un petit garçon, j'aime bien l'histoire de la Révolution et de Napoléon. Toute la poupée napoléonienne, ça a été une chose magnifique. Et j'ai commencé à faire la reconstruction pour plus de 20 ans. J'ai visité Waterloo beaucoup de fois. Et maintenant, pour moi, faire la reconstruction, c'est vivre l'époque. C'est magnifique. Donc, c'est un honneur de pouvoir personnifier le duc de Wellington, quand même, le grand vainqueur de Waterloo. So, Your Grace, are you coming here every year, or is it the first time? J'ai déjà visité Waterloo la première fois en 1995. Et après les derniers 10 ans, toutes les années, je viens. Pour moi, c'est magnifique, c'est spécial. Et cette année, c'est la deuxième fois que je représente les papiers du duc de Wellington, le grand vainqueur. Pour moi, c'est un grand honneur et c'est très excitant. So, Your Grace, let's hope that you will be the Duke of Wellington next year and you will be there for the bicentenary of Waterloo. Espérons qu'on aura le plaisir de vous revoir toujours comme duc de Wellington pour le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Thank you very much for your attention. Merci de nous avoir accordé quelques instants. Thank you very much. Cédric, bonjour. Merci de nous accueillir à la fin, je vais dire, de la bataille de Waterloo de 1815. Est-ce que vous pouvez déjà estimer un premier bilan de ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Un bilan très positif sur l'ensemble du week-end, hein, 5000 personnes dans les bivouacs hier malgré une météo très historique, hein, comme à l'époque. Beaucoup de pluie, de très grosses pluies d'ailleurs au moment de la balade au flambeau, mais ça n'a pas empêché vraiment de faire la fête en toute fraternité entre les deux clans. Et puis ce matin, un nouveau lieu pour la bataille qui a été très très apprécié par le public puisque c'était une véritable amphithéâtre naturel. On a vu une très très belle bataille, c'était la retraite, hein, des Français pourchassés et chassés vraiment du champ de bataille par les Anglais, de très très beaux moments et 6000 personnes présentes sur ce champ de bataille pour ce matin, ce qui était exceptionnel. Et puis à l'initiative de Waterloo, une magnifique idée ici pour clôturer.
Eh bien, j'ai le plaisir d'en trouver actuellement au quartier général de son Altesse impériale, Napoléon Bonaparte, accompagné de deux généraux, le général Bertrand et le général Friant. Et j'entends qu'on crie « Vive l'Empereur !» Eh bien, c'est tout à fait normal, parce que à mes côtés, pour l'instant, se trouve Napoléon Bonaparte. Alors, sire, merci de nous accueillir, je dirais malheureusement, après la bataille de Waterloo. Oui, le sort des armes ne m'a pas été favorable aujourd'hui, mais mes troupes ont combattu avec beaucoup de vaillance, beaucoup de courage, et puis ça n'est qu'une bataille, je gagnerai la prochaine. En parlant de prochaine, j'aimerais parler aussi des précédentes, parce que, à ce que je me suis laissé dire, il y a quand même quelques années où, à chaque bivouac, vous vous faites battre. Depuis combien de temps représentez-vous Napoléon Bonaparte, et d'où vous est venue cette passion? Écoutez, ça fait, j'allais dire, 197 ans que j'essaie de la gagner. Nous l'avons encore perdue. J'espère essayer de la gagner encore au moins trois fois jusqu'en 2015. Mais pour être concret, j'ai commencé la reconstitution il y a 8 ans. Et puis, je dois dire que ça me tient depuis tout petit. Et puis aussi, quelque part, peut-être parce que je suis le vrai empereur.